Je vais dire un petit mot concernant Kabbalat Shabbat, puisqu'après les Tehillim, ça durera combien de temps environ les Tehillim? Oh, c'est rapide, hein, maximum 5-10 minutes, je pense, hein, D'accord. à peu près. 5 minutes. Après les Tehillim, on va faire Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat a été institué assez tardivement. Les Mizmorim qu'on dit à Kabbalat Shabbat ont été institués au XVIe siècle, par les kabbalistes de Tzfat, de Safed. En réalité, la Gemara dit que Rabbi Hanania, quand arrivait le Shabbat, il se mettait dans son talit, s'enveloppait dans son talit, et il sortait à l'extérieur dans les champs et disait: Allons accueillir la reine du Shabbat. Rabbi Yana également sortait et disait: Boi Kala, viens la fiancée, viens la fiancée. Shabbat a été comparé à une reine. Pourquoi Shabbat a été comparé à une reine? Parce qu'en réalité, Shabbat, c'est le septième jour de la semaine. Nous savons qu'il y a sept sphères dans le ciel. La dernière sphère, c'est la Malchoute. C'est la royauté divine. Et c'est pourquoi le septième mois, qui est le mois de Tishri, commence par Rosh Hashanah, qui est le jour où on va glorifier la royauté divine. Le Shabbat aussi, c'est la royauté divine qui se manifeste ce jour-là. Parce que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, on dit c'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu s'est reposé? HaKadosh Baruch Hu, il ne se fatigue pas. Il n'a pas lieu qu'il se repose. En réalité, HaKadosh Baruch Hu a créé un monde où sa présence n'est pas manifeste. On ressent sa présence, mais on ne la voit pas de manière manifeste, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Lorsqu'arrive le septième jour, on peut voir la présence divine de manière manifeste. Ce qui fait donc que, en réalité, la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas visible de manière manifeste pendant les 6 jours de la semaine, ça veut dire quelque part que c'est comme s'il y avait une limite. C'est comme si Akadosh Baruch Hu s'était limité, si on peut le dire, bien sûr, parce qu'Hachem n'a pas de limite. Le fait de se limiter, c'est aller à l'encontre de son essence, qui est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et d'être complètement manifeste, ouvert, visible de tous. C'est ça quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a travaillé, dans le sens où a fait quelque chose qui va peut-être à l'encontre de la nature même, de l'essence d'Hachem. Le septième jour, il nous donne la possibilité de voir la magnificence de la royauté d'Hachem. Et c'est pourquoi le Shabbat, c'est la reine. Parce qu'à travers le Shabbat, on peut accéder au roi, on peut accéder à Kadosh Baruch Hu. Et vous verrez que tous les Mizmorim, les de Kabbalat Shabbat, font référence à la royauté divine. Hashem Malach Geout Lavesh. À Kadosh Baruch Hu s'est rempli de son apparat royal. Hashem Malach Hirgezu Amim. Yoshev Kirouvim, Ifne Hashem qui va l'ishpot et haaretz. Le Shabbat est le prélude au temps messianique où HaKadosh Baruch Hu se montrera à nous comme un roi qui se présente à ses sujets et qui obéisse à ses décrets. Et donc, le Shabbat, nous pouvons ressentir la royauté divine. C'est cela en vérité le sens de la Kabbalah de Shabbat, de tous les mizmorim que nous disons pour accueillir le Shabbat, qui font référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu est le roi, qui culmine avec les Hadoudi, où on va à la rencontre de la fiancée d'Israël, qui est le Shabbat, et là aussi, qui va marquer notre lien indéfectible avec le Shabbat et avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens de Kabbalat Shabbat, qui a un sens extrêmement profond
dans la Kabbalah, dans la Kabbale, et qui a donc été institué par les kabbalistes au XVIe siècle. Magnifique. Je vais laisser la place au Rabban Eter. Au Rabban Eter, exactement, qui est avec nous. Merci Bakasha. Beaucoup, Monsieur Dan. On revient vers vous tout de suite. Hein. Alors, Samy, je te donne la parole. Normalement, tu peux activer. Voilà. Salut, bonjour Samy. À tous, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde. Shabbat, shalom, très bientôt. Voilà. On va commencer l'été Ilim et on va penser très fort à ceux qui sont dans ceux qui ont ceux pour qui nécessitent guérison. Amen. Samy, juste un petit second. Est-ce que toi, tu as déjà été Ilim devant toi? Sinon, une petite seconde, tu me laisses. L'été Ilim, non, je ne les ai pas pris avec moi. J'arrive tout de suite. Hein. Juste laisse-moi deux petites secondes. Parce que j'ai repris tout ça au vol. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on t'attend. T'es Ilim, où sont-tu? Vous me laissez 30 secondes, les amis. On t'attend. Oui, j'arrive. N'hésite pas à nous dire une petite parole de Torah. Nous, on aime bien quand tu nous dis une petite parole de Torah aussi. D'accord. Le temps alors, que j'arrive. J'ai une minute? Oui, bien sûr. D'accord. Il y a un fameux Rashi dans la paracha de Vayera à propos de la ligature de Yitzhak, qui est assez étonnant. D'un Rashi, il dit qu'Avraham Avinu, il était confronté à deux paroles qui trouvait contradictoires de la part d'Hachem. Dans l'une, il est marqué « Kim Yitzhak, Ikarel et Chazara ». À partir de Yitzhak, eh bien, Avraham, tu auras ta postérité qui sera promise. Et d'un autre côté, Hachem dit à Avraham, tu prends ton fils et va aller au Sham Leola. Tu le monteras en tant que Ola. Et Avraham, il a compris que c'était contradictoire. Malgré tout, eh bien, il n'a pas posé de questions, il a quand même accompli l'ordre d'Hachem. Et en vérité, Rashi explique que l'ordre n'était pas du tout contradictoire, parce que Valé Usham Leola n'est pas une obligation d'aller immoler son fils, mais c'est une obligation de le consacrer en tant que Ola. Consacrer en holocauste ne veut pas dire forcément tuer, veut dire en vérité, tu vas le consacrer, il sera kadosh, il sera sanctifié. Et la question que posent les Mefarshim, c'est comment est-ce que Avraham Avinu a-t-il pu comprendre un sens aussi extrême aux paroles d'Hachem? Qu'est-ce qui obligeait Avraham Avinu de comprendre une lecture si extrême dans les paroles d'Hachem? Et la réponse, c'est que, dit Rav Dessler, en vérité, il y a un grand principe dans la vie, c'est qu'un homme, eh bien, ce qu'il a au fond de son cœur, c'est ce qu'il désire. Un homme, il dépend de ce qu'il désire au fond de son cœur. Exemple, lorsque par exemple, vous avez des invités, et vous attendez des invités, et vous entendez des pas, vous êtes sûr que c'est les invités. Parce que quelque part, vous désirez tellement les invités que quelque part, vous entendez des petits bruits, des bruits de pas, des bruits, eh bien, vous êtes sûr que c'est eux. Un autre exemple, quelqu'un qui est attiré par l'argent, eh bien, il est tellement attiré par l'argent que dans ses prières, dans tout ce qui va agir dans sa vie, il va penser à de l'argent. Il en est de même pour Avraham Avinu, dit Rav Dessler. C'est qu'Avraham Avinu, eh bien, il pensait tout le temps à réaliser la parole d'Hachem dans la manière la plus totale, la plus complète. Et quand Hachem lui a dit « va aller au Sham Leola », eh bien, son désir était de réaliser la parole d'Hachem de manière la plus stricte, la plus belle, la plus complète. Et donc, c'est pourquoi il a eu un sens, on va dire, assez extrême dans les paroles d'Hachem, pour se dire, j'aimerais, quand bien même je porte un amour intense pour mon fils, mais j'aimerais accomplir la parole d'Hachem de la manière la plus intense. J'espère, Bezrat Hachem, Yiratson, que pendant ce confinement dans lequel on vient de commencer cette semaine, eh bien, qu'on puisse réaliser, continuer à réaliser la parole d'Hachem de la manière la plus totale, continuer notre filote malgré le confinement, continuer notre étude malgré le confinement et essayer d'être des talmidim d'Avraham Avinu, d'essayer de se rapprocher d'Hachem encore et toujours. Amen. Hazak,
Magnifique. Tu me dis si on voit là. Alors. Ça arrive, super, c'est C'est bon parfait. là? Alors, Ouais, c'est super. parfait. Teilim C'était une 91. 91. Super. On y va. Yoshev b'Seser Elyon, Detzel Shaddai, Yislonon, Omar l'Adonoï Marsi Umetsudosi, Elohai Yeftach Bo, Kihu Yatzilchom Yipach Yokush, Midever Havos, Bevroso Yoser Loch, Vesachas Kenofov Techese, Tzino Vesocheru Amito, Lo Siro Mipachad Loilo, Mechetz Yo'uf Yomom, Mideveh b'Ofel Yahaloch, Miketev Yoshu de Tzohoroim, Yipol Mitzidecho Elef Urvovom Minecho, Elecho Lo Igosh, Rag Ve'enecho Sabit, Ve'shilumas Rushoim Tireh, Ki Ato Adonoi Marsi, Elyon Samto Me'onecho, Lo Seune Elecho Ro'o, Ve'negalo Ikrav Be'o Holecho, Qui malocho v'yetzaveloch lishmorecho bechol derochecho al kapayim isounecho pentigof v'even raglecho al shachal v'ofesen tidroch tirmos kefir v'sanin ki v'choshak v'afal leteu asagveu ki oda shemi ikroeni v'eneu Imonochi v'tzoro, achal l'tzeu v'achabedeu, orech yomi masbieu, ve'areu bishu aussi. Nous allons passer au Tehilim suivant, 121, Shir la Malot. Shir la Malot, Toena, Me'ayin yovo Ezri, Ezri me'im Adonoi, Ose shomayim v'oretz, Al yiten namot raglecho, Al yonum shomerecho, Hine lo yonum ve'lo yishon, Shomer Yisroel, Adonoi shomerecho, Adonoi tzilecho, Al yad yuminecho, Yomom ha'shemesh lo yakeko, Ve'yoreach balo, Adonoi ishmorecho mikol ro, ishmor es nafshecho, Adonoi ishmor tzesecho uvoecho, me'ato ve'ad olom. Passons au Tehilim 130. Shir ha'malos mima'amakim kerosicho Adonoi, Adonoi shimo ve'koli tieno oznecho kashuvos lekol tachanunoi, im avonos tishmorio Adonoi mi'amod, ki imecho aslicho leman tivoreh, Qui vit si Adonoi, qui veut son nafshi, veut l'idvoro ocholti, nafshi l'Adonoi, mi shomrim la boker, shomrim la boker, yachel Israël el Adonoi, qui m'Adonoi achesed, verbe imof douce. Vehu yifde es Israël, mikol avon osov. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak ve'Yakov, Moshe ve'Aaron, David u'Shlomo, yevarech ve'yirapet acholim, et kol acholim, mikol klal Yisrael, ubifrat, etel bat chaya Rivka, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמח איבריהם ולשסה גידיהם בתור שאר חולי ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף השתא בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. סמי, merci beaucoup. David, avec plaisir, un grand Rosh Hashanah à tout le monde, et je laisse la parole maintenant à notre Amen, Dayan amen. Pour une jolie Kabbalah de Shabbat, Bezrat Hashem. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que des bonnes choses. Monsieur le Dayan, normalement, vous pouvez activer. Je vous laisse faire. Non, c'est bon. Voilà, c'est parfait. On m'entend? On vous entend. C'est parfait. Parfait. On y Chers va. amis, je... Je vais commencer Kabbalat Shabbat en l'honneur du Shabbat mondial, Shabbos Project. Ça fait 7 ans à Strasbourg qu'on le fête, le Shabbat mondial. Chaque année, ça
Ça commençait par un office, un immense office à Grande Choule. La première année, il y avait 1800 personnes qui étaient là, vous en souvenez sûrement. Et chaque année, des centaines, peut-être même jusqu'à 1000, plus de 1000 peut-être, qui étaient là, qui étaient présents. C'était un Shabbat de joie, c'était un Shabbat de danse où il y avait la simcha extraordinaire. Cette année, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire, vu les conditions sanitaires actuelles. Cependant, on ne pouvait pas faire un Shabbat sans commencer par une Kabbalah de Shabbat comme il se doit. Donc j'essaierai de faire cette Kabbalah de Shabbat avec le Nossar Karlebar que beaucoup de gens connaissent pour essayer d'apporter un petit peu de joie dans ce Shabbat à nous tous, à vous tous. Je pense en particulier à ceux qui sont malades, à ceux qui sont isolés, à ceux qui sont seuls, qui passent Shabbat seuls chez eux. Alors peut-être que ça amènera un petit peu de simcha à vous tous, mais aussi un peu de nostalgie des Shabbatot qu'on a pu fêter ensemble, en espérant que nous puissions, Bezrat Hashem, très bientôt fêter des Shabbatot de joie, de bonheur, tous ensemble, ici à Strasbourg, et Bezrat Hashem à Yerushalayim Abnouya. Git Shabbes, lechu neraneno, lado yenoi, nori.
So
Hallelujah.
ושם כבוי מלכוס אוי, ויום בוי למבורה. אילי יחודוי דילי יקס קלו, פני שבוס נקבלו, לחובו ודוי דילי יקס קלו, פני שבוס נקבלו, שומוי וזוכוי, בדיבור אחד, איש ביונדו אל המיוחד, אדוי נא יחוד, ושמו יחוד, לשם מול ספרס וליסילו, היי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס נקבלו, ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס נקבלו, היי ליקס שבוס, לכו ונלכו, הקים מקוירה ברוחו, מראש מקדם נסוחו, אי סוף מעשה במחשבות תחילו, אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פיין לשבוס תקבלו, אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס תקבלו. אי מיגש מלך עיר מלוכו, היקום יצאי, מתריכה הפכו, אי רב לא שבס בימק הבוכו, והוא יחם בו אל עולה ייחם לו. אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס תקבלו. אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס תקבלו. ייס נברי מיוב הקומי, ריבשי בגדי ציפרתי חמי. על יד בן ישי ביסלח מי, קובעו אל נפשי גאו לו. אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס תקבלו. אי ליחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס תקבלו. אי ישררי, אי ישררי, כי בוי רכו מיורי, אי יורי יורי שיר דברי, כבוי דדינו יולה יחידו. ייחוד אוי דין ייקס קלו, פני שבוס נקבלו, ליחוד אוי די, ייקס קלו, פני שבוס נקבלו. Ayoy seva hoshi velo voisi call me Mati shechachi umate mi Bubokh yechesu Niye yahami yeye ye nimneso Izal tilo lecho doidi Eri ye yikas kalu Peye ye neishabo Vos te ye ye kabelo והיולים שיסו שבו ויסו יר וירו חגו כבבלוי סיסו להייך ילוי הויר כימסו יסו סו נאוול קלו לכו דוידי אידי יי יקס קלו היפה יי יני שבו ווווס יי יקבלו אילי יי יחו דוידי Eriye yikas kalo, oipe ye ye ne shabo, wo 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 se ye kabelo. Ey, yo wo minu smarti ye ye foiti, ye sadoi no ita arici. Wo wo yadish ve ye ye fati, ven nisvecho ven no gillo, lecho doidi. Eriye yikas kalo. Oi pe ye ye ne shabos, oi ne ye ye kabelo. Je vais partir à la dernière strophe, boi be shalom, parce que quand on dit la dernière strophe, on reçoit le Shabbat. Après, on pourra plus, je pourrais plus éteindre le Zoom, je pourrais plus rien faire. Donc, la dernière strophe, boi be shalom, on la garde pour après l'allumage des bougies du Shabbat.
Et le Shabbat rentre 48. Donc, on va la laisser pour après, quand on aura fait rentrer Shabbat. Je vais juste chanter le Mizmor du vendredi, puisqu'on est encore vendredi. Hachem Malach, Mizmor du vendredi. Monsieur Dayan, Monsieur Dayan. Oui. Ah, vous nous entendez? Et je voulais juste vous dire un énorme merci. C'est un grand plaisir de pouvoir faire Kabbalat Shabbat avec vous, avec la simcha, la kavana que vous avez mis avec nous, et la joie et vraiment un grand merci de nous faire partager ça dans votre foyer, dans votre cœur. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu participer avec moi. Je sens on a tous les cœurs à l'unisson. Merci à vous tous. Merci Olivier, merci à vous tous. Merci. Je vais juste terminer avec Hachem Malach. Merci. Adoy noy malach geyus loveish loveish adoy noy oy zis azor oy artikoy tevel oy bartimoy No, hoin ki sacho me yoz, me yoy lo moto, dai, 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 lo su, no, oi, sa, doi, noi, dai, 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 no su, no, oi, skoi, lo, dai, 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 Le veis echon wawa kailesh adinoi leirech yomim dai 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 dai. Monsieur le Dayan, je rejoins tout à fait mon collègue Olivier. On a passé un grand moment de kiff. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup de nous avoir apporté votre bonne humeur, votre joie et votre entrée de Shabbat pour un moment fort et intense avec nous. Les amis, avant de nous quitter, je vous partage juste, parce que demain soir, dans le cadre du Shabbat Project, on a encore une super soirée. Et cette super soirée, ça sera avec Abraham David. Donc rendez-vous demain à Motsé Shabbat à 20h45 sur Zoom avec une super Abdallah Party avec notre ami Abraham David. On va, bien sûr, on pourra pas se voir, mais je crois qu'il y aura autant de présence et de rapport entre nous que la distance nous sépare. Donc Shabbat Shalom. Et Stéphane, t'es devenu un grand. Ça, c'est des belles phrases. Hein. Shabbat Shalom, Stéphane. Shabbat shalom à vous tous. Et un grand merci au Dayan et un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Shabbat. On se retrouve demain soir, Bezrat Hashem. Shabbat de joie. Shabbat shalom à tous. À nous tous.